Arrêtons la vie au pif, quelque soit notre job ou notre espèce. On est en train de cuire tout vif, et ça chauffe un max sur nos fesses. Arrêtons la vie au pif, car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif, ça s'appelle Al-Nadiba. Et après, les composants électriques, on va les acheter. Après, on peut les câbler soi-même, on peut les installer soi-même. Le terrain. Et avant ça, le terrain. Donc, pourquoi croyez-vous que le terrain est aussi cher? Donc, depuis 3 ans, on a un secrétaire qui change tous les mois, qui est désigné au hasard, à chaque réunion mensuelle. Alors, je m'étais dit, oui, ça va bien mieux marcher, voir. Bien plus d'adhérents qui vont venir aux réunions parce qu'on n'en a pas énormément qui viennent. Bah, finalement, non. Ça n'a pas mieux marché. Il n'y a pas eu un super élan démocratique derrière. Mais par contre, ça n'a pas moins bien marché. C'est-à-dire que le fait de désigner un grand chef au hasard, c'est pas miraculeux, mais ça marche pareil. Ou ça vivote pareil, ou ça marche pas pareil. Voilà, c'est exactement la même chose. Et si on a ça, qu'est-ce que ça veut dire si on avait ça au niveau de notre démocratie ? C'est-à-dire que là, on peut tous s'y intéresser, on peut tous se dire, bah ouais, mais ce sera peut-être moi, là, demain. Peut-être que je regarde un peu ce qui se passe. Et puis se dire que là, oui, c'est pas spécialement un expert, même si c'est pas moi, parce qu'on est 50 millions, ça sera pas forcément moi tout de suite, peut-être jamais. Eh ben, je sais que c'est quelqu'un qui pense un peu comme moi, et puis je pourrais le trouver dans la rue, je pourrais débattre. Si te hablan de mí, muchachita, si te hablan de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo, yo soy un feo que sabe amar. La démonstration de la possibilité de faire des maisons passives, des maisons très très peu d'énergie et ayant comme principal chauffage le soleil avec un petit chauffage d'air frais. Ça veut dire qu'on peut carrément faire une maison en fait qui n'a pas besoin de chauffage du tout, complètement autonome, mais ça doit coûter vachement cher ça. Ça peut se faire sur des prix qui sont parfaitement concurrentiels. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il y a pas mal de prix du jeu et puis des forces d'énergie. Il y a des gens qui se disent oh là là, une maison sans chauffage, comment est-ce que c'est? En fait, il y a vraiment à convaincre. Donc, pour les rassurer, tu rajoutes un petit poil comme ça, ça. Alors, non, le petit poil, il va falloir quand même s'en servir quelques jours dans l'année. D'accord. Le soir, parce que mais tu vois, c'est le temps gris, à 1, 2 degrés, et puis le temps bouché, à ce moment-là, il n'y a pas assez de soleil. Même si on en a accumulé un peu sur les jours. Eh bien, tu sais pas quoi, à Rennes, on prépare la même chose. Tu fais de l'espionnage industriel, quoi. Non, c'est la solidarité, complémentarité, on vient s'inspirer. Bon. Alors, on a
soir montent des feux et des points de science qui vont s'élargissant. La communauté politique qui vient sort pour ses membres, dont le montant et le financement sont jugés démocratiquement. Donc il ne faut pas se positionner sur un montant ni sur un mode de financement. Et bon, il faut qu'il soit suffisant pour vivre dignement. Donc voilà, après, est-ce que la suffisance ? Je donne 1000 euros parce que 1000 euros, ça parle à tout le monde, c'est rond, et voilà, après, c'est se représenter. Qu'est-ce que nous, c'est nous frais d'avoir 1000 euros par mois ? Celle-là. Ici, c'est le réseau du réel. Alors, voilà. Explique-moi, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, c'est le réseau du réel, c'est la structure, l'association qui porte la monnaie locale complémentaire, le réel. Voilà. Voilà. C'est un scandale. Et financièrement, c'est 10 fois dans les appels. Moi, j'habite à côté. Bonjour. Au-delà des enjeux climatiques, au-delà de la crise économique, au-delà de tout ça, moi j'ai vraiment ressenti ça, on a créé du lien, quoi. On a créé du lien entre les gens, de milieux différents, des personnes pas du tout sensibilisées, des militants, c'est vraiment le mot que je retiendrai, c'est le lien qu'a créé cet événement aujourd'hui à Nantes. Merci Hugo et merci à tous les bénévoles qui ont été présents cette journée de dimanche 28 septembre et on donne rendez-vous à tous les Nantais l'année prochaine. Sur la place du Bouffet probablement, car c'est un lieu assez convivial. Merci à tous. Merci à toi.